Jo penso que no som a jugar un bon match. Jo penso que just duia il ha un terreny a Becum Pelús magnífic que se pot jugar tre bien al futbol. Jo penso que s'ha de ser positiu per el nostre equip, per el match. Jo penso que hi ha un bon match de futbol. No besoin la victoire per avoir un chance dans la classificació. Finalment, jo penso que les adversaires han guanyat. Alors, nous continuem a la même posició de la classificació, mais l'equip aujourd'hui a fait ce qu'il doit faire, que c'est gagner le match. Especialment, aujourd'hui c'est un jour spécial parce que Adil Carrusi a joué le dernier match. C'est un match spécial pour dire adieu à un joueur très important et très bon. Je pense que aussi c'est pour moi un parti important de le match. Je pense que cette saison, nous avons fait une saison avec beaucoup de matchs. Je pense que se doit faire l'analyse de le nombre de matchs que nous avons joués, le pourcentage de matchs que nous avons gagnés. Il y a des parts, il y a la première partie de la saison que nous jouons la Botola et la Coupe du Trône. En ce moment, il y a beaucoup de matchs. Nous avons fait plus attention à la Coupe du Trône parce que le calendrier s'est très fermé. Il y a beaucoup de matchs. Il y a un moment que je me souviens que nous avons joué avec plus attention dans la Coupe du Trône que dans la Botola parce que c'est la possibilité de gagner la Coupe et ça a gagné. Après de ça, vient la CHAN, qu'il y a un mois que ça ne jouait pas la compétition. Nous avons 6 joueurs qui ont parti à l'équipe nationale. Et après de la CHAN, nous avons joué la Botola et la CAF. C'est vrai qu'en cette deuxième part de la championnat, la Botola, nous avons fait pas les résultats que nous avons besoin pour gagner. Je pense qu'il y a 2-3 matchs très importants que nous avons perdus, malheureusement. Mais aussi, en cette deuxième part de la saison, nous sommes aussi avec un bon résultat dans la CAF, dans la compétition africaine. C'est possible que, si tu me dis qu'est-ce que c'est pour régler, c'est pour régler, si tu connais que tu joues beaucoup de compétitions, avoir un effectif plus d'une qualité et d'une quantité. Quantité, c'est dit? Quantité? Quantité, c'est dit bien? Améliorer l'effectif, globalement, améliorer l'effectif pour faire qu'il y ait un effectif capable de jouer 3 ou l'année prochaine, je pense, 4 compétitions. Alors, je pense que ça, c'est une question qu'il y a un aspect financier très important. C'est clair que quand arrive le mois de décembre, le mercato, le club, ce n'est pas disponible pour acheter de nouveaux joueurs parce qu'il n'y a pas l'argent. Et maintenant, le club, il y a une nouvelle administration. Il se doit travailler pour avoir l'argent pour améliorer l'effectif et pour faire que l'effectif est capable de jouer 3 compétitions. Je pense que ça, c'est mon opinion. Mais même aussi, cette saison, c'est une saison avec beaucoup de situations, dures, mais en même temps, une jolie saison. Et que ce que j'ai pu dire aujourd'hui, c'est merci à tout l'effectif, merci à tous les joueurs, parce que je pense que tous les joueurs ont travaillé bien, ont fait une bonne saison. Il y a une équipe qui a joué beaucoup de matchs, un groupe réduit qui a joué beaucoup de matchs, qu'il a travaillé beaucoup de bien. Et il y a un nombre important de joueurs jeunes de l'espoir qu'il a joué aussi, qu'il a fait un bon saison. Et je peux dire merci spécialement à l'équipe, à les joueurs. Merci aussi à vous parce que c'est une année avec beaucoup de situations. Et finalement, l'année s'est finie. Et maintenant, il y a un balance. Finalement, cette année, nous avons fait un bon coupe de la Coupe du Trône. Nous avons fait un Botola que finalement nous n'avons pas conseguir la position dans la tête que nous voulons. Et nous sommes en bonne position en la CAF. Ça, c'est finalement le balance de la saison. Et une autre fois, qu'est-ce que je vais dire, c'est merci. Merci parce que, cette année pour moi, c'est une année spéciale, importante, jolie. Et je peux dire merci spécialement à le groupe, à l'équipe.